Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Flosstube consacré au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue dans cet univers de personnes accro aux petites croix. J'ai beaucoup brodé ici au mois de mai parce que j'ai pas beaucoup travaillé parce que les deux premières semaines c'était les congés scolaires des enfants et j'ai demandé pour j'ai pas travaillé pour être avec eux. Et on a bien profité, c'était cool. Et puis j'ai eu une semaine de temps partiel où j'ai pas travaillé, enfin il y a une semaine, plus ou moins, ou deux. Et entre-temps, j'ai brodé beaucoup. Donc j'ai trois objets complètement finis à vous montrer. J'ai des en cours, dont certains qui n'étaient pas prévus. J'ai des coups de cœur, j'ai des envies, et on va, à la fin, on va piocher le projet du mois de juin. Et aussi, j'ai des petits achats qui sont arrivés hier et je les trouve trop beaux, ils sont devant moi. Et je vous les montrerai. Voilà. Bon, on va commencer? On va commencer par le projet du mois de mai qui était les Spiritual Stones de Pasha Lane, que j'ai trouvé sur la boutique Etsy MMM Games. Et en fait, ce sont les pierres spirituelles du jeu Zelda Ocarina of Time. Et les voilà finies. Alors, il y avait deux tailles de gris. Il y avait celle-ci qui est la petite. Il y avait les mêmes pierres. Donc la pierre Kokiri, la pierre Goron et la pierre Zora. Il y avait les mêmes pierres qui étaient en plus grand. Et je me suis dit, tiens, je prends la plus petite pour une fois et me faire un marque-page. Je l'ai cousu avec de la feutrine. Alors, j'ai juste fait un petit point comme ça. J'ai un peu peur que la toile s'effiloche. Après, c'est un marque-page, c'est pas censé non plus partir dans tous les sens. Mais ouais, j'espère que ça va pas s'effilocher. Et finalement, en fait, il n'est pas pour moi. Je l'ai offert à moi. Parce que quand j'expliquais à ma fille que j'allais faire... elle me voyait broder ça, je lui expliquais que j'allais faire un marque-page, et elle me dit « Oh, moi aussi, je veux un marque-page brodé !» Et mon mari, il l'a entendu, il dit « Moi aussi, je veux un marque-page brodé !» Donc je lui ai dit, je vous expliquerai après pour la suite, mais je lui ai proposé que ce soit celui-ci, et il a choisi le rouge pour aller avec la pierre Goron. Et il m'a dit « Oui, oui, ça me convient très bien. » Alors, chaque pierre, ça m'a pris une journée, même pas. Une soirée, quoi. Enfin, une grosse soirée. J'ai commencé durant la journée, j'ai terminé durant la soirée. C'est très rapide à faire, je trouve. Ça a l'air gros comme ça, mais je vous jure que... Enfin, si, c'est... C'est la taille de ma tête, quand même. Mais c'est pas si gros que ça. Ça va... Franchement, ça va vite. C'est très, très clair. Et voilà. Comme je m'en doutais, celle-ci, c'est celle que j'ai le moins aimée, parce que, c'est celle que j'aime le moins dans le jeu, de toute façon. Parce que je suis beaucoup plus attirée par le vert et par le bleu. Et puis, elles sont très très belles. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Ceci dit, je trouve que le résultat, et même quand je le brodais, par rapport à tous les autres en cours ou objets finis que je vais vous parler, dont je vais vous parler après, c'est un peu grossier. Vous voyez, ça ne vaut pas... du Old Forest Embroidery ou du Cottage Garden ou autre. Donc je suis très contente de les avoir faites, mais voilà. Et alors je me dis, en fait, je brode tout le temps sur la toile 14 count, donc 5,5, et j'aurais dû essayer de le faire sur de la 18, ça aurait donné un résultat plus fin avec un seul fil au lieu de deux. Ça aurait été l'occasion, surtout qu'en fait j'ai un gros projet pour l'année prochaine où j'hésite à broder sur de la 18, mais en fait, il faudrait que je fasse déjà un projet avant dessus, avant de me lancer dans un gros projet, si vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai quelques petits coupons de 18, donc j'aurais pu. Mais j'y ai pensé qu'après, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Je suis contente de les avoir faites, c'est pas ça, mais j'ai pris moins de plaisir que pour le reste. Et monsieur est très content. Après, ici, il a choisi une feutrine. J'ai un stock de feutrine, en fait. Il a choisi pour la couleur, mais c'est pas assez rigide, je trouve. Vous verrez, je vais vous montrer deux autres choses qui sont plus rigides. Parce qu'en fait, du coup, quand j'ai eu cette idée de marque-page, je me suis dit, mais en fait, il y a plusieurs années, j'ai brodé
un tout petit projet qui s'appelle The Beekeeper de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je l'avais brodé sur une toile à côté d'un autre projet qui est déjà encadré et en fait trop proche les uns des autres. Et il me restait vraiment que deux croix, enfin deux petites cases entre la broderie et le vide. Donc bon, pour l'encadrer, c'était pas facile. Et puis je me suis dit, mais en fait, mon fils, il adore les abeilles. Et du coup, est-ce que je ne lui ferais pas un petit marque-page? Vous voyez, j'avais coupé là vraiment juste ici, quasi, un tout petit peu plus bas. Donc je pouvais vraiment rien faire d'autre que ça. Et j'y avais pas pensé. Ça fait comme des années qu'il est dans ma boîte à objets finis. D'ailleurs, j'aimerais bien m'acheter une grande farde, vous savez, pour les grandes fardes de dessin, la verte, pour ranger mes points de croix finis, le temps que je trouve un cadre ou ce genre de choses. Enfin bref. Donc ça, c'est The Beekeeper de The Frosted Pumpkin Stitchery. Pareil, très rapide à faire, très facile. Et il est cool. Et alors j'ai mis du rouge parce que c'est sa couleur préférée. Et vous voyez là, c'est beaucoup plus rigide. C'est mieux. On l'utilise. Ensuite, il l'utilise, il l'adore. Bon, il veut aussi les autres que j'ai fait, mais non. Il adore le miel aussi, donc c'est parfait. Je suis très contente d'avoir valorisé ce petit projet qui traînait. Et en cherchant après ce projet, je suis tombée sur un autre que j'ai aussi transformé en marque-page. Bon, ça n'a pas du tout le format de marque-page, mais c'est pas grave. C'est ceci qui est... En fait, c'est moi qui l'avais designé. Sacré citrouille. Bah évidemment, c'est pas parfait, hein, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas le talent de... Vous voyez, quand je dis que celui-ci, il est un peu grossier par rapport aux autres, celui-ci... Il est complètement grossier par rapport à celui-là, donc bref. Mais j'en suis quand même vachement contente. Moi, j'ai choisi du bleu parce que ben, je préfère ça. Je l'ai mis dans mon livre de crochet, comme je crochète un peu tous les jours. Eh bien, tous les jours, je le revois et je me dis, bah en fait, oui, évidemment, je n'arrive pas à la cheville, aux petits orteils des autres, des vraies designeuses hein, dans ce travail, mais que j'ai été capable de faire... parfois des choses sympas. Donc voilà. Je suis contente. De temps en temps, j'aimerais bien m'entraîner encore. J'en ai fait 3 ou 4. Et ouais, m'entraîner pour faire des choses sympas. Surtout que j'ai des idées dans ma tête, mais après, c'est compliqué de les faire. Et ça prend beaucoup de concentration, plus que de faire ce qui a été designé par d'autres personnes, évidemment. Bon, ça c'était donc les 3 projets complètement finis. Et maintenant, on va parler... de ce sur quoi j'ai travaillé ce mois-ci, des innombrables projets. Et on va commencer par le Magical Creatures de Clothes Factory. Mais je regarde ici un peu si sur mon carnet, j'ai rien oublié pour les marque-pages. Marque-page. Ah bah celui-là, j'ai rien noté. Bon, bah voilà. Alors c'est que c'était bon. Donc, Magical Creatures de Cloud Factory, un duo que je fais avec ma copine Bee Stitcher sur Instagram, et tous les mois, on fait la case du mois. Donc, ça avance tout doucement, mais bon, chaque mois, et au mois de mai, c'était trop trop bien. On a fait ce petit magicien avec ses grimoires, ses fioles, ses parchemins, sa petite chouette, c'est une chouette, son hibou. Il était trop mignon, trop trop mignon. Je me suis éclatée, j'ai fait ça un jour ou deux où il faisait beau et j'ai fait ça dehors, en dessous de mon parasol. C'était trop bien. Surtout moi j'aime bien, j'aime bien quand il y a, c'est plein de petits éléments, mais en fait j'avançais sur tous un peu en même temps. Quand j'avançais une couleur, ben, j'avançais sur tous les petits éléments et c'était trop cool. Voilà, j'ai adoré. Alors, ce mois-ci, c'est le mois de juin, ce sera les dragons, je pense, on va repartir là en dessous. Et puis, ce sera très très chouette. Il est vraiment bien, parce que c'est pas des grosses grosses cases, on se voit bien avancer, et c'est très mignon. Ah oui, et j'ai changé un peu l'agnomètre. Vous savez, il y avait une espèce de nez ou de bouche. Ni moi ni ma copine n'ont trouvé ce que c'était, donc je l'ai enlevé et j'ai mis la peau du visage
Elle est mieux comme ça. Donc ça, c'était The Magical Creatures. Oui, fini par backstitch. J'ai dit backstitch? Oui, il y a un petit peu de backstitch. Un petit peu de point arrière, mais vraiment pas grand-chose. Enfin, plus que sur les autres cases, vous allez me dire. Et qu'est-ce que j'ai noté? Que le hibou avait un regard... Ah oui, un regard un peu étrange, quand même. Hein. Enfin, en même temps, si c'est le hibou d'un sorcier, c'est un peu normal. Donc, très très bien. Et je la fais sur une toile lilas, donc on voit pas très bien que c'est de la couleur lilas, mais c'est pourtant ça. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai fini un objet. Alors, où est-il? Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Mon furet de Cottage Garden Samplings de la série A Year in a Wood. Voilà, il est fini. C'est le premier sur les 12 qui est fini. Donc là, je reprendrai l'année prochaine sur une de ces deux cases. Je ne sais pas encore laquelle. Il reste le lapin et le raton laveur. On verra au printemps prochain. Mais là, il est fini. En fait, le furet était déjà fait et la moitié des fleurs étaient déjà faites. Donc là, j'ai refait. J'ai complété avec la petite maison aussi. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, déjà ça, c'est fait. Il est tellement beau. C'est vraiment un gros coup. Enfin, je suis partie un peu bien en tête avec les Cottage Garden et je regrette pas. C'est trop, trop bien. Donc celui-ci, je vais pouvoir le mettre tout en dessous de ma pile parce qu'il ressortira que dans un an. Mais en attendant, je vais faire ceux de l'été parce qu'hier, j'ai reçu les grilles de l'été. Hop! Attendez, je vais vous les montrer. On a la chouette, l'aigle et l'ours. Alors, pour le printemps, c'était ma fille qui avait tiré au hasard entre les trois. Elle était un peu déçue du furet parce que c'est pas celui-là qu'elle voulait faire, mais bon, soit. Et donc, j'avais promis à mon fils qu'il pourrait tirer au sort, mais il n'a pas voulu tirer au sort, il a voulu regarder et il hésitait entre les trois. Je me dis finalement, c'est pas plus mal, je leur demande de choisir, et puis voilà. Et alors, il demande à sa sœur, qu'est-ce que tu me conseilles? Et alors, elle dit, oh, moi j'aime bien la chouette, et puis mon mari il arrive, il dit, oh, ouais, la chouette aussi, oh, elle est trop belle, c'est la plus belle. Et moi, j'adore les chouettes aussi, donc ce sera celle-ci cette année, et ça l'année prochaine. Donc, c'est très bien. Alors, quand je les ai reçus, j'ai dit à mon mari, mais c'est une blague que je fais souvent, je dis, bon voilà, je suis désolée, il va falloir que je démissionne pour broder toute la journée. Et après avoir vu ces grilles, ma fille, elle m'a dit, ah oh oui, maman, fais ça. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer, si je vais commencer par la chouette ou par commencer par les éléments. On verra bien, ça dépendra du projet du mois. Si c'est un gros projet, je commencerai par les éléments. Si c'est un petit projet, je ferai la chouette parce que l'animal en soi est quand même assez imposant. Enfin, sur toutes les grilles, hein, à chaque fois. Peut-être un peu moins pour l'aigle. Mais. Oh. Ah, et puis il faut que je commande la toile. Je veux une toile vert comme ça, vert clair. Je m'avais pensé à l'éteindre, mais j'ai pas trouvé de teinture vert très pâle. Ou alors il faudrait que je joue avec ma femme. Avec les pigments, d'en mettre moins et tout, mais. Pas cette fois-ci. Pour un autre projet peut-être, mais pas cette fois-ci. Et j'ai pas commandé que ça. En fait, je savais que Cottage Garden Sampling faisait cette année, sortait une grille aussi par mois. Je crois qu'ils font ça tous les ans avec un thème différent. Là, c'est A Year in a Wood. En tout cas, cette année, c'est sur les Fabulous Houses, les maisons fabuleuses. J'avais vaguement vu passer la maison du Hobbit, que je trouvais très mignonne, mais que je m'étais dit, bon, bah, c'est pas la peine de me lancer là-dedans pour l'instant, j'ai pas le temps, du tout, de me lancer là-dedans. Je verrai plus tard. Ou pas. Je me suis dit, bon, soit. Et puis, je regardais une flosstubeuse américaine, je ne saurais plus vous dire qui c'était, qui faisait des projets sympas, je regarde, ceci, cela, puis d'un coup,
Elle montre une toile avec les, on est au mois de mai, les cinq premières maisons finies sur la même toile et j'ai eu un coup de foudre. Je me suis dit, oh, c'est trop beau. En plus, vu comment je m'éclate, enfin comme je me suis éclatée avec le furet et qu'à mon avis je vais m'éclater avec ça aussi, je me suis dit, bon, ben, ce sera un projet pour à partir de janvier, parce que là vraiment je peux pas, c'est trop gros. J'ai le temps de réfléchir et c'est ça le projet où je me dis que je le ferai peut-être bien sur du 18 CT pour avoir quelque chose de mon. Surtout si je veux les faire toutes en même temps, ça risque d'être un peu trop gros comme toile. Donc j'hésite. Mais en attendant, je collectionne les grilles. Enfin, je collectionne les grilles. J'en ai commandé qu'une. La première, la Santa's House, la maison du Père Noël. Alors c'est rigolo parce que les grilles comme ça, elles se déplient en une fois et puis c'est bon. Ici, on la déplie une fois et on la déplie encore une fois. Là devant moi, bah, j'ai la grille. Je vais pas vous la montrer en une seule page. Hein, il n'y a pas en couleur, en une seule page. Donc c'est nickel. Par contre, du coup, comme c'est un peu plus gros, la légende, elle n'est pas juste en dessous de la grille, elle est là. Et alors ici. Je vais vous montrer comme ça. On a une petite note avec noté la date à laquelle on a commencé, la date à laquelle on a complété, pour qui on l'a brodé, les substituts de fil qu'on a fait et de quoi faire des notes. Je trouve ça super sympa. Donc ça c'est cool. J'ai pas encore regardé. En plus, il n'y a même pas beaucoup beaucoup de couleurs spécialement. Et alors il y a deux fils, bonjour, deux fils de classique Colorworks, mais à chaque fois il y a les correspondances en fil DMC, parce que moi je n'achète pas de fils un peu plus spéciaux parce que comment expliquer? J'ai pas envie d'être submergée par mes fournitures. Même si, et j'ai déjà l'impression parfois d'en avoir un peu trop, ça n'empêche pas d'en acheter encore, mais. J'essaie de faire attention. Voilà. Donc en même temps, je vous ai parlé de mes achats. Cottage Garden. Toujours dans mon cœur. C'est vraiment un gros coup de foudre. Je vais vous parler de All Forest Embroidery, qui a lancé son nouveau Mystery Stitch Along sur le thème des champignons. Je l'avais vu passer il y a quelques semaines. En me disant, oh là là, ça a l'air beau, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Non, ben non, j'ai pas le temps, mais je le fais quand même. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui. Parce que quand ils ont sorti le premier indice, j'ai fait, ah bah, ok, bah je le fais. Alors finalement, déjà, c'est gratuit. La grille est gratuite. Pour toute l'année. Enfin, je veux dire, on va recevoir encore deux indices ici au mois de mai, c'est toujours gratuit. Et j'avais la toile. Et j'avais les fils. Donc je l'ai fait. Et voilà le premier indice. Un bolet. Et l'autre, je me souviens plus. C'est trop trop beau. Avec un petit escargot qui se balade dessus. Ah. Il est de toute beauté, cet indice. La végétation trop belle, les feuilles trop belles, les champignons trop beaux. J'avais la toile parfaite, j'ai quasi pas dû découper. Si, il y avait un truc qui se dépassait là, mais qui a été découpé pour un nouveau projet que vous verrez à la fin. Donc c'était parfait, c'était le destin qui me disait qu'il fallait que je brode ces champignons. Alors, j'ai pas. Ça dure un an, je crois, ce stitch long. Là, on a eu un indice sur le mois, qui était apparemment un gros indice, que j'ai fait quand même en quelques jours. Hein. Ça m'a pris un peu de temps. Et d'après ce que j'ai compris, au mois de mai, on aura deux indices parce qu'ils seront plus petits. Oui. Eux, ils le présentent sur une toile spéciale imprimée, qui est de toute beauté, qu'on peut acheter sur leur site, ainsi que tous les fils. Même s'il y a les équivalents DMC aussi, hein. Donc moi j'utilise mes DMC.
Mais c'est du lin en 30 ou 42 comptes. Donc autant vous dire que déjà, du 18 comptes, ça me semble compliqué. Alors non, du 30 ou 42, c'était pas possible. Et c'est dommage qu'il ne le présente pas sur d'autres. Ouais, sur de la Aïda, parce que sinon, je crois que je l'aurais commandé. Ah, voilà. Trop beau. En plus, je l'ai brodé quand on est parti quelques jours. Dans une ville qui s'appelle La Roche en Ardennes, qui est très boisée. On a fait des balades, on a vu des champignons, on a vu un écureuil. Bref, c'était l'endroit parfait pour le broder le soir. C'était cool. Le soir où, si on devait attendre un petit peu avant d'aller se balader. C'est magnifique. Et vous voyez. Quand on compare, c'est quand même une différence. Hein. Ouais, c'est trop beau. Donc, on est aujourd'hui le jeudi 30 mai. Dans 2 jours, si je me souviens bien, on a le prochain indice. Donc, je vais bientôt pouvoir le reprendre, ainsi que tous les autres. J'aime bien les débuts de mois parce que je me dis ouh, je vais reprendre tous mes douze, hein, tous mes projets, les avancer. Je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Donc ouais, je me suis lancée dans un nouveau Mystery Stitch Along. Alors, je ne suis pas sûre que je saurais suivre le rythme. C'est pas grave si j'y arrive pas. L'important c'est de faire un indice par mois. Si je prends du retard, c'est pas grave. Ça continuera plus loin. Parce que je n'aime pas tout leur Mystery Stitch Along. L'année passée, c'était sur une légende de pirate ou quelque chose comme ça. Ça m'a moins inspirée. Donc, c'est pas grave si. C'est pas grave si je dépasse. Et puis, même voilà, c'est comme ça. Deuxième Mystery Stitch Along, mais un que j'attendais depuis longtemps, c'est celui de The Frosted Pumpkin Stitchery qui, malgré tout, malgré les Cottage Garden, malgré les Old Forest, ça reste mon premier coup de cœur. Et j'adore beaucoup. Donc, le Arctic Animals de The Frosted Pumpkin Stitchery. Le premier indice, c'est ceci. Ce sont des renards polaires, des campagnols. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, avec une bannière avec noté dessus, ben, en fait, c'est noté en anglais, mais c'est marqué renard polaire et campagnol. Alors. Cette toile, je suis à la fois très contente parce que ça fait un peu aurore boréale et je trouve ça fait très polaire. Et à la fois, je me dis, ben tous les animaux qui sont blancs, on les voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait mieux les voir. Mais en même temps, c'est sympa de broder dessus. Voilà. C'est trop bien fait, hein, le renard qui saute pour arriver à manger le campagnol, qui, à mon avis, il a pas beaucoup. Il va pas durer longtemps. Avec des petits végétaux aussi. C'est très très sympa. Alors, vu les nouveaux projets, etc., je me suis dit que je n'allais pas avoir assez de porte-aiguille aimantée. Du coup, j'ai commandé celui-ci chez Rascol. Et il va très bien avec cette grille, puisque c'est un oiseau d'hiver. Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. Mais enfin, et bref, il neige et tout, donc c'est très hivernal. Alors, ça va très très bien avec cette grille. Les bannières ont été, surtout la jaune, je trouve que c'était un peu long à faire. Après, on complète avec backstitch point arrière. Et alors, en plus, en fait, tous les débuts de mois, je commande des fils chez Rascol et un porte-aiguille aimanté. Mais enfin, ça, c'est pas tous les au début de mois. Et le colis a mis du temps à arriver. Aussi parce que je l'ai commandé plus tard que prévu, enfin, soit. Mais ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et notamment, ce jaune. Je l'ai commandé parce que il m'en restait, mais vraiment plus beaucoup. Et je suis arrivée à faire la fin de la bannière, il me restait ça de jaune. J'ai joué à Floss Yarn, Floss Chicken. Floss Chicken. J'ai réussi. Mais bon, c'était un peu short. Bon, sinon j'aurais dû attendre, c'est pas grave, mais j'aime bien en fait arriver au bout d'un indice avant de le ranger. Donc, ça, c'est le nouveau Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et j'ai hâte de voir la suite. Hop! Ah oui.
La fois passée, je vous ai montré un duo que je fais avec Anseline. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle In This House de Cloud Factory. J'avais commencé l'étagère et là je l'ai terminée, puis je vais la ranger jusqu'au prochain, jusqu'à ce qu'elle m'ait rejointe. Et puis on verra pour la suite. Donc là, profitez-en parce que c'est pas tout de suite que vous allez le revoir et c'est pas grave. Donc, mais encore une fois, avant de laisser tomber, enfin de laisser tomber, de laisser hiberner un projet, j'aime savoir où j'en suis exactement. Et donc on a complété, il est trop trop beau. Alors qu'est-ce que j'ai noté? J'ai complété le bocal de yeux qui, je pensais être, que j'avais pas aimé parce que c'est quand même un, parce que c'est des yeux quoi. Eh ben j'ai adoré. En même temps, voilà, le violet, là, dans le fond, il est trop beau, mais même les yeux, j'ai adoré les faire. La plante, trop trop belle. J'ai complété la chandelle, la fiole et les livres, je crois que c'était pas complété. Oh, ce livre bleu, il est beau. Il est très très beau. Alors, il y a une erreur quelque part ici, parce qu'il est censé, vous voyez, il n'y a que une croix entre les deux pierres, il est censé y en avoir deux. Et j'ai beau chercher, je trouve pas... Enfin, j'ai beau chercher. J'ai cherché 10 minutes et puis ensuite c'était bon. Je ne trouve pas l'erreur. Après, c'est pas vraiment choquant vu que c'est pas... Vu qu'il y a quand même de l'espace entre chaque élément, ça ne choque pas du tout. Donc, c'est pas grave. Et puis, j'avais pas envie de tout défaire. Non, pas du tout. Ah oui, il y a un petit ruban sur la planche. J'espère que vous allez le voir. Ici en point arrière, c'est trop mignon. Donc ouais, il est trop beau. Oh, et puis ces couleurs sur le noir, qu'est-ce que c'est beau, j'adore ça. Voilà, je vais le ranger avec le furet, tiens, et je le ressortirai quand ma copine me rejoindra. Mais comme vous voyez, je ne manque pas d'autres ouvrages pour patienter. Ce n'est pas grave. Pas du tout. On continue avec le Hall Forest, parce que j'ai commencé il y a déjà quelques mois. Le 100 Halls, qui est un ancien Mystery Stitch Along, et je fais un indice par mois. Donc, on est bien, hein, là. On est très bien. Alors, attendez. Je vais plier. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. C'était ici. Donc il y a une petite... Des petits végétaux là. Là et là. Et puis ensuite, on a... Attendez. Hein, 56, c'est elle. C'est un otus. Ensuite, on a fait celui-ci, c'est un petit duc tacheté. Désolée, parce que j'ai noté sur mon carnet dans quel ordre ils sont, et bref. 58, c'est celui-ci, qui est la chouette rayée. Puis le 59, c'est celui-ci, le grand duc africain. Et enfin, la chouette fasciée. J'ai mal au bras à force de tenir mes projets. De toute beauté. Et puis je l'ai trouvé tellement... je l'ai brodé juste après la pierre des Borons. Et donc forcément, j'ai trouvé... C'était tellement beau, tellement, tellement fin, tellement agréable. Donc j'en suis déjà à 59 chouettes sur... Enfin, 159 rapaces sur 100. J'adore ce projet. Pareil, je me suis lancée sur un coup de cœur l'année passée et je regrette pas. Et alors, la fois prochaine, on va faire une grosse, grosse chouette ici, ou un gros rapace en tout cas. Donc il n'y en aura qu'un seul, mais il va être costaud. Et ce sera bien. Il est trop beau. Ah oui. Je suis vraiment accro à tout ça. Voilà, alors ça... C'était la première page. On passe à la deuxième page. Je me suis vraiment lâchée.
Le super champi que normalement je réserve à la fin du mois, mais là, celui-ci, de Sacred Fret Design. Là, j'ai décidé de le faire un peu plus tôt dans le mois, car hop, j'ai décidé de faire cette petite partie-ci, qui représente juste une page. Et du coup, ça me fait 3 pages sur 20 de terminer. Donc ça a été très très rapide évidemment par rapport à ça. Donc c'est très très chouette parce que du coup, voilà, ici j'ai c'est terminé. Mais du coup, j'ai envie de venir travailler là maintenant, d'aller venir compléter. Mais voilà, comme j'ai fait une toute petite page, maintenant je vais revenir sur celle-ci qui va être beaucoup plus costaude. Ça, c'est le seul projet où je termine pas forcément un indice ou une page ou quelque chose comme ça avant de le ranger parce que c'est beaucoup trop chronophage. Donc on verra à la toute fin du mois ce que je vais avancer, mais il est assez clair quand même malgré tout. Il y a un peu de confetti, mais malgré tout, c'est une grille qui reste claire. Je m'y retrouve très facilement quand je la reprends. Donc voilà. Ah oui, parce que je n'utilise pas Pattern Keeper. Et je surligne pas ou quoi que ce soit. Je fais que compter et retenir. Donc c'est pour ça que j'aime bien arriver au bout de ce que je fais. Voilà. Il est trop bien. J'ai trop hâte de le continuer. Enfin, ce sera dans un mois. Puisque ce sera la toute fin cette fois-ci que je le ferai. Mais bon, 3 pages sur 20, ça fait quoi? 15%? En fait, non, hein. En nombre de croix, ça, c'est rien du tout. Mais je considère que ça marche. Voilà. Oh, il est trop beau. Ouais. J'aime vraiment tous mes projets. Tous mes projets. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? On pourrait commencer à rien pas. Oui, alors ce qui va être bien, c'est que maintenant, quand je vais commencer cette nouvelle page, je pourrais à la fois avancer, enfin je pourrais commencer pas seulement d'un coin en fait. Là j'ai dû avancer en partant d'un coin, mais là je vais pouvoir commencer comme point. J'ai toute cette case-là comme point de repère, donc. Je commencerai là en haut et là en bas en même temps. Parce que là, il y a beaucoup de rouge, ça risque de me lasser. Donc, je ferai sans doute une grosse part de rouge, un petit peu de vert, blanc, etc. Jusqu'à ce qu'il soit complété, mais ça va prendre 3 ou 4 mois pour compléter la page. Trois, quatre mois de plaisir. Non, en fait, avec ça, c'est 3-4 ans de plaisir. Mais c'est pas grave. Ah, bah, marque-page, bah, j'en ai déjà parlé. On va parler d'un autre gros projet. Le Celtic Tree de Raven Coven. C'est un gros gros projet et là j'ai besoin de terminer la page que je fais parce qu'il est assez confetti. Enfin, pas tant que ça, un petit peu quand même. Et puis surtout, ce sont beaucoup de couleurs similaires. Du coup, j'ai peur que si je m'arrête et que j'attends un mois avant de recommencer, je m'y retrouve plus. Ceci dit, c'est quand même très intense quand je le fais en une seule fois. Je pensais que ça allait prendre moins de temps parce que là au-dessus, on avait du feuillage qui était très confetti. Et là, c'était principalement de la torsade. On a un peu de feuillage, mais c'est surtout de la torsade. Mais la torsade, elle est costaude aussi quand même. Donc ça m'a pris. Ouais, c'était peut-être un peu même trop. J'ai fait ça pendant ma semaine de temps partiel où je ne travaillais pas. J'avais limite un peu mal au poignet à la fin de mes séances. Et puis j'ai du mal à le lâcher aussi. Parce qu'il est trop trop beau. Donc ce que je vais faire avec cet ouvrage, c'est que je vais le broder tout le long du mois. Donc entre chaque autre projet, je ferai une séance de broderie. Une soirée ou une après-midi. Ça dépendra de mes horaires de travail, etc. Comme ça, je le terminerai juste avant le champignon, mais ça aura déjà bien avancé. Et j'aurai peut-être moins cette impression de presque trop. Parce que je ne voudrais quand même pas me dégoûter du point de croix. Ce serait dommage. Qu'est-ce que je ferais de ma vie si je me dégoûtais du point de croix?
Non, je ferai autre chose, hein, vous inquiétez pas, mais il est de toute beauté. Donc, je me dis que quand lui sera fini, en décembre donc, eh bien, ce gros projet sera remplacé par le gros projet des Fabulous House de Cottage Garden. Voilà. Il est beau, hein? Il est magnifique. Donc, on va bien avancer. En fait, on va faire une grosse partie du tronc ce mois-ci. On aura des branches là qui vont arriver ici, et puis on va faire beaucoup, beaucoup de troncs. Donc j'ai très hâte. Mais lui, il va me suivre tout le long du mois, donc je vais pas le ranger, je vais le mettre dans un sac à projet près de moi. Enfin, d'ici 2 jours, quand le mois de juin commencera. C'est ça, j'ai tout dit, parce que, comme je vous dis, j'utilise pas Pattern Keeper, donc j'ai besoin de... Je peux pas le laisser... Laisser en plan et puis me dire on verra bien quand je le reprendrai. Dernier en cours. La fois prochaine, la passée, je vous expliquais que j'allais devenir tata, que mon frère va avoir un bébé et que je voulais absolument lui broder quelque chose. Alors j'ai posé la question à mon frère si, pour voir si lui et sa compagne avaient un thème de prédilection ou une couleur qu'ils aimaient beaucoup ou au contraire qu'ils n'aimaient pas. Alors ils m'ont répondu qu'il n'y a pas de couleur qu'ils détestaient. Ils n'ont rien répondu sur le thème. Donc pour moi, ça veut dire carte blanche. Et je vous avais montré la grille que j'avais très envie de faire, qui s'appelle Dragon with a Book de Svitlana Sichkar. Je vous mettrai le lien ainsi que de tous les projets dont je vous parle en dessous. Et je me disais, oh là là, quand est-ce que je vais pouvoir l'intégrer à mon agenda, parce que ben le bébé est prévu pour fin octobre, mais il faut que je le brode et puis il faut que je le couse sur un pochon, parce que je vais en faire un pochon pour emmener les petites affaires par-ci par-là d'ici là, donc ça va prendre du temps. Et bon, vu que mon projet du mois était très rapide et que le champignon m'a pas pris beaucoup de temps, je me suis dit ben, je me lance, on verra où est-ce que j'en suis. Bon, il n'est pas encore tout à fait fini, mais il me reste 2 jours avant la fin du mois, donc à mon avis, il sera fini, parce que je l'ai commencé il y a quoi, 3-4 jours? Il est déjà là, il est génial, il est addictif, il est trop, déjà il est trop mignon, hein, ce petit dragon qui tient un livre avec un petit col, une petite manche comme ça. C'est génial. Il y a plein de... il y a un beau dégradé d'orange. C'est jamais... c'est pas confetti et c'est pas des gros aplats de couleurs. C'est juste parfait. Et on le complète à chaque croix qu'on fait, ben le dragon se complète. Et donc, en fait, il reste le haut du livre et son petit bidou. Et aussi, beaucoup de points arrière à la fin. Parce que là, il est très mignon, mais en fait, il y a encore plein de points arrière. Moi, ça ne me dérange pas de faire du point arrière, donc il n'y aura pas de problème. Et il est trop mignon. Je l'ai vu sur une fausse tubeuse américaine, mais je ne me souviens plus le nom. Et je m'étais dit, oh, il est trop, trop beau. Et puis, c'est trop chouette parce que je brode pour mes enfants, mais ils sont déjà un peu grands. Et quand ils étaient bébés, je ne brodais pas vraiment pour eux, je leur ai tricoté des choses. Mais j'ai pas brodé pour eux, et donc pour tout vous avouer, quand j'étais enceinte de ma grande, j'ai brodé une carte de Super Mario Bros 3 donc c'était pas vraiment pour elle, c'était pour moi. Et le fait de broder ça pour mon petit neveu ou ma petite nièce, ben ça a encore plus de charme. Vous avez les petites taches ici sur sa petite cuisse. Alors ouais, il y a des mélanges de fils aussi, donc ça c'est vrai que c'est pas souvent que je vois ça. Si, j'ai déjà vu ça, hein, mais c'est pas souvent que je suis tombée sur une grille avec des mélanges de fils, mais ça se passe très très bien, avec des oranges en général. Et puis, on a en dessous des demi-croix. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, du coup, ça me demande plus de temps que des croix complètes, parce que je dois me concentrer, et en plus, moi, je fais pas les croix dans ce sens-ci, en fait. Je commence pas
par cette diagonale. Apparemment, non, la plupart des gens font en commençant avec cette diagonale et puis en complétant après. Moi, c'est l'inverse. Du coup, pour planter mon aiguille, il faut vraiment que je me dise, non, attends, c'est autrement. Et pour compter aussi où j'en suis, le repère n'est pas le même, visuellement. Enfin bon, bref. Je m'en suis sortie, hein. Et maintenant, il ne reste plus que des croix complètes et du backstitch. Donc, vous le verrez complété d'ici le prochain floss tube. Et peut-être même cousu sur son pochon, et puis comme ça je serai prête pour octobre, au taquet. Oh, on a prévu de lui faire d'autres choses, mais en broderie c'est tout ce que j'ai prévu. Et je me demande ce qu'ils vont en penser. Alors ils savent bien que moi je suis dans tout ce délire dragon, fantasy, tout ça. Donc ça va pas vraiment les choquer. Et puis en plus, c'est des artistes tous les deux. Mon frère est intermittent du spectacle et sa compagne, elle était en train de faire des études pour être art thérapeute. Donc, ils adorent tout ça. Il y a même un point de croix dans leur entrée, donc fait par une copine à eux. Donc, je sais que ça va être très bien reçu et ça aussi, ça a du charme parce que, ouais, ça va. Je le fais pour mon neveu ou ma nièce et. Et en même temps, je sais que mon frère et sa compagne vont aimer. Et puis c'est trop beau. Donc c'est vraiment, j'adore ce projet. Je l'adore. C'est tout ce sur quoi j'ai travaillé ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Bon, peut-être que j'aurai moins de temps au mois de juin. Oui, bah, je travaille plus déjà. Je trouverai une solution. On va parler coup de cœur, parce que j'ai eu deux coups de cœur sur des designeuses, enfin sur certains projets de certaines designeuses ce mois-ci. On va parler de Living on the Rainbow avec des points de croix en 3D. Magnifique. Je vais vous montrer ici, il y a des dés de saison. J'ai vu qu'il y avait un dé pour chaque saison, donc je vous montre celui de l'automne, évidemment, c'est celui que je préfère. Des personnages comme Frankenstein ou Sherlock Holmes, et surtout des livres, bon, des petits livres, où la couverture est brodée, l'intérieur est brodé, et c'est incroyable. Et elle en a fait sur les potions, donc on a le livre de potions, on a des livres sur les créatures. Des créatures fantastiques. Et puis, en ce moment, elle est en train. Donc, les livres, apparemment, elle les fait en Mystery Stitch Along. Et en ce moment, elle est en train de faire un Mystery Stitch Along sur les champignons. Je ne l'ai pas commencé, non, je vais pas le faire maintenant. Mais je crois que je le ferai l'année prochaine. Il faudrait que je commence déjà maintenant à noter les. Ce que j'ai envie de faire pour l'année prochaine, les gros projets que j'ai envie de faire pour l'année prochaine. Il est magnifique. C'était incroyable. En plus, il faut vraiment que je vous trouve le nom de cette flosstubeuse. C'est la même que celle qui a fait le dragon, qui l'a présenté dans son dernier flosstube. Et je vais essayer de vous le noter là ou en dessous, en tout cas. Si j'arrive pas à le noter ici, je noterai en dessous. Gros coup de cœur. C'était vraiment waouh! Trop trop bien. Et deuxième coup de cœur, ce sont des designs de Châtelaine Designs. C'est ma copine Bicosy Stitcher qui m'en a parlé. Qui sont des points de croix très mandala en général. Alors moi j'ai eu trois coups de cœur. J'ai un coup de cœur pour les fées de saison. J'ai eu un coup de cœur pour les jardins médiévaux, donc il y en a quatre aussi, et pour le tableau médiéval. Et ça a l'air d'être des gros gros projets, ça me donne vraiment envie, mais le seul problème, c'est qu'elle demande beaucoup de. Enfin, apparemment, beaucoup de matériel spécial. Il y a des perles, des cristaux, des fils spéciaux, et je pense pas qu'il y ait l'équivalence DMC. Et comme je vous le disais tantôt, moi j'ai pas spécialement envie d'accumuler des tas de choses, de les faire venir de loin.
Ça donne envie, hein. C'est ce qu'on se disait avec ma copine. C'est presque un truc à très long terme, parce que d'abord il faut collectionner tout le matériel nécessaire. Mais ouais, je pense pas que je le ferai. J'en ai déjà tellement qui me donnent envie et qui me demandent pas cet investissement-là. Donc peut-être un jour. Mais voilà, pas pour l'instant. Mais bon, j'ai quand même eu un coup de cœur sur les. Ils sont très très beaux. Donc si vous avez vous envie de vous lancer dans ce genre d'aventure, ben allez-y. Elle fait plein d'autres designs, mais c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, en gros. Bon, allez, on va ranger un peu tout. Enfin, je le mets un peu de côté parce que c'est l'heure de choisir le prochain projet du mois. Alors, d'habitude, je vais sur un générateur de nombres sur Internet pour trouver quel projet quel thème je vais faire. Ici, il m'en reste plus beaucoup et je les ai mis sur des petits papiers parce que je me dis que le numéro 1, il tombe pas souvent. Enfin, il y a peu de chances qu'il tombe. Donc je remue. J'en prends un. Qu'est-ce qui est noté? Ah, très bien. Le pochon pour mon fils. Comme ça, j'aurai le pochon pour ma fille, il est déjà fait. Je regarde parce qu'il est là, il faut juste que je le couse. J'aurai de quoi coudre le pochon pour le bébé de mon frère et on va faire le pochon pour mon fils. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté ici. Parce que je sais déjà ce que je veux faire pour lui. Je vais allumer le PC pour vous donner les références. Donc, je vous disais qu'il adorait les abeilles. Hop, voyons, il faut que je retourne sur Etsy. Il y a autre chose aussi qu'il adore, c'est les chevaliers. Et j'ai trouvé, enfin j'avais eu un coup de cœur, sur des abeilles chevaliers. Et je pense qu'au niveau format, ça convenait. Mais le seul truc, c'est que en général, je couds avec un format. Comment dire, vertical, et là ce sera horizontal, donc sur le pochon ça donnera un peu moins bien, mais on verra. Mais non, je veux pas ça. Comment ça fonctionne? Alors voilà, il est là. C'est long internet. Il est là, ouais, sur un livre en plus. Mais je vais vous mettre l'image juste là, c'est comment il s'appelle? Le nom n'est pas noté, mais c'est de le livre des reines guerrières de Haunted Frames. Haunted Frames. Ouais, je vais vérifier que ce soit bon au niveau format, mais à mon avis, ça sera ça. Il y a pas mal de backstitch aussi, mais comme je vous dis, ça me dérange pas. Et je crois même que j'ai la toile qu'il faut. Sinon, de toute façon, je suis censée. Je vais commander demain. Demain, on est payé. Je vais commander la toile pour les animaux de Cottage Garden pour l'été. Et je vais commander aussi, s'il le faut, la toile qui correspondra à ce que je vais faire pour mon garçon. En plus, c'est un petit point de croix. Ça va pas demander trop trop de travail, ce qui me permettra d'avancer sur tout le reste sans problème. Parfait. Bon, je vais vous laisser là. Je vous dis à dans 2 semaines pour les tricoteuses et crocheteuses. À dans un mois pour les brodeuses avec et puis en attendant, ben, profitez de ce que vous aimez faire. Arrêtez de repasser vos vêtements. Ça sert à rien. Prenez du bon temps pour vous pendant ce temps-là et parce que les collègues parfois me demandent ah, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai dû repasser les 3 mains d'Alain hier soir, mais pourquoi vous faites ça? Faites quelque chose qui vous plaît. Non, faites pas du point de croix parce que c'est pas leur truc, mais je sais pas, arrêtez de vous casser la tête avec ça et prenez du temps
pour broder. Enfin, vous, en tout cas, qui me regardez, prenez du temps pour broder. Voilà. Ou dites à monsieur de faire le repassage. C'est tout. Bon, j'arrête de dire des âneries, je vous laisse là. Je vais un peu avancer sur mon dragon pour pouvoir vous le terminer. Et donc, peut-être que le mois prochain, j'aurai 3 pochons à broder à vous montrer pour chacun des enfants. Ce sera très cool. Et en plus, c'était le numéro 1, ça. Donc, vous voyez que je vous disais que j'avais peur qu'il ne ressorte pas, mais il est sorti. C'est parfait. Allez, à bientôt. Profitez bien. Salut !